المسيحيين في مصر رسمياً لا أحد يعرف كام. إحنا بنضحك شوية مرات ونقول دي من الأسرار المصرية القديمة، في سر إنك تعرفي المسيحيين كام، لأنه إحصائيات الحكومة لا تظهر عدد المسيحيين. عشان كده كل الأرقام هي أرقام تقديرية مش رسمية. البعض يقول إن المسيحيين 15 مليون 20 مليون، ونقدر نقول إن الأرثوذكس 90% من المسيحيين، الإنجيليين والكاثوليك 10%. المينوريتيز مش دايما سعيدة بأنها تكون مينوريتي، لكن كمان المينوريتيز أكثر نشاطا. Aujourd'hui dans l'église il y a plusieurs projets. D'abord il y a donc il y a la visite de la prison qui date depuis 92-93. Ça consiste à visiter des prisonniers étrangers ou africains ou d'autres nationalités qui parlent anglais ou français ou allemand même et qui n'ont personne pour les visiter. Donc on a un membre de l'église pensée qui est en fait responsable dans ce ministère. Mais ce n'est pas limité à l'église, c'est un groupe de visite qui peut accueillir des gens de l'extérieur pour apporter quelque chose, de la nourriture, un peu d'argent, de la présence aussi, pour prier un peu, chanter un peu et aussi discuter avec ces gens qui n'ont personne pour échanger. Le groupe est constitué de plusieurs membres des églises différentes et des pays différents. Nous allons à Kanater, c'est à 30 km du Caire, et on y va une fois par semaine. Merci Dieu, bénis-nous, bénis tout le monde, bénis les prisonniers, bénis les gens qui travaillent dans la prison. Amen. Nous sommes des chrétiens, des musulmans. On essaye de prier dans la voiture pour vraiment voir qu'est-ce que Dieu aussi veut de nous pour eux. Moi, ça me calme beaucoup parce que je ne pense à rien que Dieu. Et c'est lui qui m'utilise comme il le veut. Et il y a 2 semaines, je suis allé, je n'ai pas dit un mot. Je ne trouvais pas qu'est-ce qu'il faut dire. À la fin, je trouve un des prisonniers qui vient à côté de moi et me dit « Si on n'apprend pas de toi quand tu parles, on apprend de toi quand tu ne parles pas. Parce que tu as laissé ton travail, tu as laissé ta clinique, tu es venu pour rester avec nous. Vraiment, ça nous touche, même s'il n'y a rien à dire. » Chers amis, on pourrait croire que tout espoir est perdu, mais moi, je ne perds pas espoir. Je continue de remettre entre les mains de Dieu chaque détail de ma vie. J'ai confiance en vos prières, chers amis. Je sais qu'elles sont puissantes et efficaces. Youssouf. انا بشتغل مع الدكتور باسم سمير، هو بيعمل الموضوع ده من زمان. في مره طلبت منه اروح معاه، رحت مره كنت عامل حساب ان هي المره دي وانتهت على كده. لا، من قبل ما اخش المساجين انا عارف كان بيقابل ناس في حياتي مفهوم ان هم حد مش كويس، بس هم ناس كويسين. لما بعشرهم بقى هم كويسين، فكان عندي احساس ان هشوف حاجه غير اللي متخيله. Avec tout le monde, on parle ouvertement de tout ce qu'ils ont fait. Ils sont ouverts, au fait. Ils te disent s'ils sont coupables ou pas. Et j'ai appris, au fait, à ne pas juger, quel que soit le degré de la criminalité. Il y a ces liens qui s'est créé, finalement, où on se sent comme une famille, quoi. Et on ne peut pas les oublier, donc ils font d'une certaine façon partie de nous. On pense à eux. Les relations avec les musulmans sont très bonnes. Je suis vraiment très heureux, comme je l'ai dit avant, je suis très heureux de leur fête. J'ai entré dans l'église beaucoup, beaucoup. Je suis heureux, je me sens dans un climat religieux, en dehors du fait que je suis musulman.
زي نفس الموضوع، كنت ضايع جو استطلاع في الاول، بعد كده دخلت لقيت في جو ديني موجود انا مش كارهه، حاجه عاديه جدا زي ما بخش المسجد زي ما بخش الكنيسه، احنا الاثنين بنعبد ربنا تقريبا نفس العبادات هي مع اختلاف ان ده مسيحي وده مسلم، مفيش فرق بينهم. الله كان ولا شيء لا بدل يا يسوع ولا L'Égypte est donc toujours sous le choc après la mort de 21 personnes victimes d'un attentat contre l'église copte d'Alexandrie. Des centaines de chrétiens coptes ont fui sur le côté. L'attaque a fait 21 morts. Les attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Aujourd'hui, la une de toute la presse. Nous ne pouvons pas admettre ce qui ressemble de plus en plus à un plan particulièrement pervers d'épuration religieuse du Moyen-Orient. Il y a toujours des gens qui veulent imposer une certaine vision. C'est ça en fait le danger et ce sont les craintes des chrétiens. Pour instrumentaliser les gens, il y a toujours des moyens pour le faire. Parfois c'est des moyens sociaux, parfois c'est des moyens politiques.